Good morning, les derniers messieurs seront aujourd'hui le Lunish Matra Esther Bat Miram René Avram Ben Mordechai ainsi que l'Urfoat Olive Israël Shimon Ben Chaya Esther Khamshat Mirat Bat Rosena et Bin Bin Ben Chbiba Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi des notre prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Rovin Perik Vav Mishnah Bet Amar Rabban Gamaliel Maase Bilzoki Echad Sheaya Dar Imanu Be Mavoy Birushalayim Vamar Lanu Abba Maharu Veotziu Et Hakelim Le Mavoy Ad Shelo Yotzi Veyesor Alechem Rabbi Yehuda Omer Belashon Acher Maharu va soutsor kechem, bemavoy ad shelo yotzi veyesor alechem. On a la Mishnah Bet qui vient compléter la notion de Mishnah Aleph. On a eu un cours, on a introduit beaucoup de notions hier, et puis on en a mis malgré tout certaines de côté, qu'il va falloir maintenant expliquer davantage pour comprendre notre Mishnah. Soit, d'abord je répète très succinctement, la notion du Eruv. C'est quoi le principe, c'est quoi le problème et c'est quoi la solution? Après on va parler de la deuxième solution, c'est le Bitoul. Après, on va rappeler le problème avec le Goy, et après, on va parler maintenant du cas particulier de notre Mishnah, qu'est-ce qu'on fait avec le Tzdoki. D'accord? Je recommence. Notion du Eruv, d'abord, le problème. Pour ne pas qu'on, machinalement, on va s'interporter du domaine privé au domaine public, alors Chachamim, Shlomo Ameler et son Bedin ont fait un décret qu'on ne peut plus porter dans un domaine en copropriété. Le hall de l'immeuble, l'impasse. Elle a trois murs, on peut même la fermer avec un portail, peu importe, la cour qui est partagée entre plusieurs propriétaires, eh ben on n'a plus le droit de. Ils ont fait un décret qu'on ne peut plus porter des maisons jusqu'à cet endroit-là. Pourquoi? On ne peut plus transporter d'une maison à l'autre, parce que ça ressemble au Rechuter et au Rechuter Abim. Comme ça va nous rentrer dans la conscience qu'il y a un problème de porter à Shabbat, et on ne va pas être amené machinalement à ensuite sortir et partir dans la vraie voie publique. La solution qu'ils ont fait, c'est de faire un. Ils nous ont donné la solution de faire un Eruv. Eruv, littéralement, se mélanger. On va tous se partager. On va tous former une seule entité. Comment est-ce qu'on fait? On va faire un acte symbolique. Chacun y amène un pain, on le place dans une maison. On exprime par là qu'on est maintenant. On n'est plus plusieurs indépendants. On est tous un grand. On est une grande bande. D'accord? On est tous ensemble. C'est vrai que chacun a sa petite maison privée. Mais c'est juste parce que techniquement, on a besoin de notre intimité. Mais en réalité, tout ça, on est tous partagés, on est tous équitables dans tout le domaine, même dans nos maisons privées, en réalité. C'est ce qu'on exprime par le Eruv. Maintenant, celui qui a oublié, troisième point maintenant, celui qui a oublié de faire le Eruv, il a oublié de payer sa cotisation, on l'a oublié. Maintenant, il s'avère qu'il va interdire à tout le monde de porter pendant le Shabbat. Et là, on n'a pas de solution de faire un Eruv pendant Shabbat, il faut faire le Eruv avant Shabbat. C'est une grande halakha, ça, tout se passe avant Shabbat. Si on avait un Eruv avant Shabbat, même si après il a eu des problèmes, le Eruv, dans plusieurs situations, on verra qu'on aura le droit de porter, même si le Eruv est le plus présent, il est le plus apte. Mais inversement, si on n'a pas fait le Eruv avant Shabbat, on ne pourra plus porter pendant Shabbat. Et on ne pourra pas faire de Eruv pendant Shabbat. Mais on a quand même une solution, c'est qu'il fasse un Bitul Reshut, qu'il annule son droit de marcher ici. Il va annuler son droit de marcher. Son droit de porter ici. Il va pouvoir marcher pour sortir de chez lui, mais il ne pourra plus transporter. Il décide d'annuler pour le bien des autres, comme si il se retire. Il retire son droit sur la cour pour le Shabbat uniquement. Ça, c'est la notion de Bitoul. Ok. Dans la Mishnah précédente, maintenant, on avait expliqué que le Goy, alors là, le Goy, c'est un statut beaucoup plus complexe. Le Goy, lui, il ne peut pas faire de Eruv, bien évidemment. Mais même le Bitoul annulait son droit pour le faire plaisir aux juifs, comme ça les juifs ils peuvent porter, il ne peut pas le faire. L'unique solution, c'est qu'on lui loue sa maison. Dans la première phrase de la Mishnah précédente, il y avait Adar Imanochri, celui qui habite avec un goy Bechatzer, ou Misheno Mode Baeruvo, avec celui qui ne reconnaît pas le Eruv. On a sauté cette phrase, on ne l'a pas expliqué, maintenant on explique un petit peu mieux. Il s'agit en fait d'une personne qui nie la Torah chez Béalpé, un Apikoros, un Tzdoki, qui nie toute la Torah orale, et qui dit que Chachamim cherche des problèmes alors que ça n'existe pas. Il est un peu athée comme ça, même s'il fait plusieurs mitzvot, il fait que les mitzvot de la Torah et pas les mitzvot de Rabbanan. Il est kofer la Torah Shebealpé. Ok? Il ne reconnaît pas d'intérêt à ce Eruv. Il veut quand même faire plaisir pour aider ses amis. Il annule son droit de marché. Ça ne marche pas d'annuler le droit de marché. En réalité, c'est le même principe que le goy. On veut que tu t'écartes de lui. L'unique solution, c'est de louer, et on espère qu'il ne va pas accepter que tu loues la maison. Du coup, tu vas t'éloigner davantage de lui. Ça, c'était le tzdoki. Donc, il s'avère que la Mishnah précédente nous disait un tzdoki, il a le même statut qu'un goy, il ne peut pas annuler sa propriété.
Comme ça ressortait. Et sur ça, il manque une petite phrase de transition pour commencer notre Mishnah, que Rabban Gamliel nous dit non, un tzedouki, il a un statut de juif qui peut annuler. Ça, c'est la première notion. D'après pour Rabban Gamliel, le tzedouki peut annuler sa propriété pour le bien des autres juifs, il n'a pas le même statut que le goy. Premièrement. Maintenant, malgré tout, lorsqu'il annule, alors maintenant, nouveau sujet que maintenant on va introduire, lorsqu'il annule, maintenant ça va être la discussion qui est entre Rabban Gamliel et Rabbi Yehuda ensuite, si le goy annule sa propriété pour aider les autres, le pas le goy, le tzedoki, il annule sa propriété. Ou bien n'importe quel voisin qui va annuler sa propriété. Si finalement il décide de ne plus annuler, alors il commence le Shabbat, il lui dit, bah, allez, je vous permets de porter, je me retire, je vais pas vous déranger pendant le Shabbat. Et un quart d'heure après, il dit, non, finalement, j'ai quand même envie de porter. On apprendra plusieurs discussions dans les détails, mais là on va prendre un détail important. Selon Rabban Gamliel, si toutefois, lorsqu'il a annulé sa propriété, tu dois te dépêcher, toi, de partir, acquérir le droit de marcher tout seul ici sans la présence de l'autre. D'accord? C'est-à-dire, il a décidé d'annuler, dépêche-toi vite, toi, d'aller utiliser le mavoï, d'aller utiliser l'impasse. Par là, tu vas réussir à concrétiser le fait qu'il a annulé et pourra plus ensuite décider de revenir, de finalement de réutiliser. C'est trop tard. Tu m'as donné le droit de porter, tu ne peux plus le reprendre. Tu me l'as donné, c'est trop tard. Tu décides de porter malgré tout, ça ne me concerne plus. Ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. Dès que tu as décidé de me le donner, si je ne me dépêche pas d'aller l'acquérir et que tu reviens sur toi, c'est comme tu as décidé de me faire un cadeau, 1000 shekels. Et puis finalement, avant de me les donner, tu dis non, finalement, je ne vais plus te donner. Ben, tant pis, tu pourras décider de ne plus le donner. Mais une fois que tu m'as fait, on a fait un acte d'acquisition, c'est trop tard, tu ne peux plus revenir en arrière. C'est le même principe. Et maintenant, on peut lire et traduire la Mishnah entièrement et tout comprendre. C'est sur ce point-là que Rabbi Yehuda va discuter, comme ça, on va voir. Amar Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, il vient, donc il manque la phrase de transition qui nous dit Rabban Gamliel pense qu'un tzedoki, il peut aussi annuler sa propriété. Et d'ailleurs, je vais te raconter une histoire qui s'est passée avec mon père, Rabban Gamliel. Il nous dit qu'on a réellement, il y a eu une situation où le tzedoki avait annulé la propriété. Amar Rabban Gamliel, il a dit Rabban Gamliel, maaseh b'tzedoki echad. Il y a eu un cas, une anecdote, avec un tzedoki qui habitait, Shayadar Imanu Bemavoy Birushalayim, qui habitait avec nous dans notre impasse à Mavoy, c'est une impasse, à Yerushalayim, et puis Amar Lanu, et entre parenthèses, il avait annulé sa propriété. Rabban Gamliel témoigne que son père, Rabban Shimon, pas Ben Gamliel, c'est tout, il s'appelait un depuis Hillel HaZaken, c'est des descendants, un Rabban Gamliel, un Rabban Shimon, Ben Gamliel, et ainsi de suite jusqu'à Rabbi Yehuda HaNassi. Et donc, à Mabamar Lanouaba, il nous a dit, papa, Maharu, dépêchez-vous, Beotsiou, et Hakelim le Mavoï, dépêchez-vous vite de faire sortir vos ustensiles de chez vous, dans le Mavoï, dans l'impasse, Atchelo Yotsi Veyesor Alechem, jusqu'à qu'il ne va pas lui-même sortir ses ustensiles, et il va vous interdire. C'est-à-dire, en fait, il manque l'introduction à l'histoire. Le Goy, le Tzedoki, il avait réellement annulé sa propriété, et sur ça, le père de Rabban Gamliel, il leur a dit, dépêchez-vous vite, 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 allez vite acquérir. Comment est-ce qu'on fait un acte d'acquisition? En sortant vous-même vos ustensiles, en utilisant le mavoï. Vous exprimez par là que, initialement, c'est interdit, il t'a permis de sortir parce qu'il annule sa propriété. Dépêche-toi vite de sortir ta propriété, comme ça tu fais une chazaka, tu vas être marzik, tu vas l'attraper, l'acquérir, le droit de porter toi. Et comme ça, lui, il ne pourra plus revenir en arrière. Ça, c'est la vie de Rabban Gamliel. Et Rabbi Yehuda Omer, ben, la chaîne, Rabbi Yehuda dit, non, c'est pas ce qui s'est passé. Il leur a dit une phrase différente. Maharu, dépêchez-vous, ve'asut tzorkechem ba'mavoy, il faut dire en fait, atchelo yetse ve'yesor alechem. Il leur dit autrement, il ne leur dit pas du tout. Selon Rabbi Yehuda, même s'il va pouvoir annuler sa propriété, c'est vrai, ce détail-là d'annuler la propriété, je suis d'accord que ça a été dit. Mais le problème, c'est que même lorsqu'il va annuler sa propriété, même si tu vas faire un kinyan, tu vas partir acquérir. Malgré tout, c'est pas un vrai Kinyan, il va pouvoir annuler son droit. Donc du coup, la phrase qu'il leur a dit, le père de Rabban Gamliel, leur a dit, c'est vrai qu'il a annulé, mais en quelques secondes, tout peut tourner au roussi. Alors je vous demande de faire quoi? Je vous demande de vous dépêcher tant qu'il fait encore jour, de vous dépêcher vite, 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 de faire tout ce que vous avez à faire dans le Mavoï, sortez ce que vous avez besoin de sortir dans le Mavoï, sortez-le de chez vous, parce qu'après vous ne pourrez plus le sortir pendant Shabbat, parce que c'est sûr qu'à l'entrée de Shabbat, il va finalement décider de revenir en arrière. Il va décider de revenir en arrière et d'annuler son annulation, en fait, et de récupérer son droit de marcher, et vous serez bloqué, vous ne pourrez plus porter. Donc en fait, Rabbi Yehuda, il dit en deux mots, le tzedoki, ça ne sert à rien qu'il annule, parce qu'il va annuler, mais il va tout de suite pouvoir récupérer son droit de marcher dedans. Ok?
son droit de marché, et dans ce cas-là, vous n'aurez plus le droit de porter de toute façon. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol, Tuv, Selah.